Hello, salut tout le monde, j'espère que vous avez la patate. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur du Destiny. Ça fait très longtemps que vous nous en demandez et donc il y a quelques infos qui viennent de tomber. C'est donc l'occasion pour moi de vous faire une petite mise à jour des quelques news sur Destiny. Donc première information, une mise à jour va être déployée prochainement, précisément le 3 mai prochain à partir de 19h. Donc cette mise à jour, la 2.2.0.2, aura essentiellement pour but de corriger des bugs. Dans un premier temps, des bugs par exemple avec les coffres, des problèmes de quêtes et de récompenses, rien de majeur, des petits bugs que les joueurs avaient tendance à rencontrer depuis la récente mise à jour d'avril. Et avec ceci, il y aura une grosse modification d'apporter un correctif concernant les titans et essentiellement le coup de poing qui avait tendance à déraper et à ne pas atteindre la mâchoire de vos ennemis. Donc c'est vrai que c'était un problème récurrent pour les titans, ce fameux fail de l'attaque de mêlée. Donc ils vont enfin apporter un correctif par rapport à ce bug, mais alors attention, ce patch ne sera pas activé dès le déploiement de la mise à jour 2.2.0.2, c'est-à-dire dès le 3 mai, il sera activé manuellement une semaine plus tard, c'est-à-dire le mardi 10 mai, à partir de 19h, date à laquelle vos coups de poing de titan ne devraient plus manquer leur cible. Donc voilà, c'est la principale information qui vient d'être relayée par les studios Bungie. On se quitte sur ce petit screen des récentes statistiques concernant la prison des vétérans depuis son lancement. D'ici là, je vous invite à bien profiter de votre bannière de fer qui, je vous le rappelle, se terminera le 2 mai prochain à 11h au matin. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos. Ciao tout le monde!